Une vieille bague attachée à une lanière pour former une boucle. Il n'avait pas besoin de bijoux. Il doit y avoir un moyen de faire pivoter la plateforme. J'étais consciente des risques. Je savais que la garde de la cité finirait par m'attraper. Le jour... Je dois extraire de l'or et d'autres minerais de la roche, jusqu'à ce que mes doigts saignent, pour accroître la richesse de Kitej. La nuit, nous faisons pénitence, implorant le pardon de Dieu et du prophète. Ils espèrent sauver nos âmes, nous racheter. Je m'incline quand ils me le demandent, je prends un air contrit quand ils énoncent mes péchés. Mais quand ils me libéreront, je retrouverai le monde et ses plaisirs. On les forçait à prier. Pas très subtil, mais efficace. Aider à jouer. C'était une pratique courante chez les soldats. Mais ceux-là sont particulièrement beaux.
Espérons que ça s'écroule pas. J'espère que ça suffira. Ça a marché. Heureusement que ça a tenu le coup. Telle une fleur qui éclot, la vallée ne cesse de dévoiler ses richesses. Chaque année, de nouveaux bâtiments sortent de terre. Nous avons produit une génération d'artisans, d'astronomes et de philosophes capables de rivaliser avec les plus grands génies de l'Occident. Mais partout où la civilisation s'installe, le crime et le péché fleurissent. Nombreux sont ceux qui pensent que ces pécheurs devraient être exécutés. Mais le prophète s'y refuse. Il croit que chaque homme peut se racheter. Nous leur laissons donc la vie sauve, et leur enseignons l'ascèse et les saintes écritures. Contrairement au prophète, je ne pense pas qu'ils puissent être sauvés. Mais au moins, ils serviront la cité et ceux qu'ils ont offensés. Byzantin du Xe siècle, sur l'exploitation des mines et le travail du métal.